Bonjour, je suis Hervé, donc je suis référent métier carte sur le site de Cachan. Mon métier, ça consiste à assurer le suivi technique et la qualité technique des réalisations qui sont faites ici au forfait sur le site de Cachan. Un forfait, c'est une réalisation qui est faite sur cahier des charges du client. Le client nous donne le cahier des charges et on lui retourne une carte validée, testée, fonctionnelle et exactement comme il veut et correspondant à ses attentes. Un projet qui m'a particulièrement marqué, récemment on a fait une carte avec un FPGA. Alors, très exactement, c'est un SOC, un System on Chips, c'est un circuit intégré qui intègre FPGA et processeur en même temps. C'était une carte au format PCI Express sur laquelle il y avait du numérique, de l'analogique, du traitement du signal, du soft et du FPGA. C'est une carte assez sympathique à faire. J'encadre des jeunes ingénieurs et des stagiaires, donc les jeunes, c'est des jeunes gens embauchés ou des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, que je fais travailler sur des projets qui ont lieu ici à Cachan. Et puis les stagiaires, oui, chaque année on a pas mal de stagiaires qui arrivent, donc j'encadre tous les stagiaires cartes avec moi pour essayer de leur expliquer les bonnes habitudes qu'ils doivent avoir, la rigueur qu'ils doivent avoir, les règles qu'ils doivent respecter, essayer de leur enseigner les règles de développement de base, et ça en 6 mois, des fois c'est un peu challenging, mais ma foi on y arrive. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est quand même qu'on voit pas mal de types de cartes différentes, aussi bien de l'analogique, du numérique, des cartes avec que des FPGA, avec que des processeurs, avec que de l'analogique et pas de puissance de calcul. Dans beaucoup de domaines, du ferroviaire, du médical, du militaire. Donc il y a une grosse diversité d'applications, de types de composants, de développement, de contraintes de développement, de méthodologie de process, etc. Je suis sorti de mon école d'ingénieur en 1995. J'ai eu des expériences précédemment plutôt RF et je suis rentré en 2001 chez L6 Design. Donc c'était les tout débuts d'L6. Je suis parti en mission et puis en 2003-2004, j'ai commencé l'aventure Speedcom. Donc Speedcom était une société du groupe qui faisait des ASIC, donc des circuits intégrés spécifiques pour des applications courant porteur. L'aventure Speedcom a duré une dizaine d'années jusqu'à ce que Speedcom soit vendu à une société qui s'appelle Enstar, qui est assez connue dans le monde du semi-conducteur. Et puis l'aventure Enstar s'est arrêtée d'elle-même. Je suis parti chez un autre équipementier spécialisé dans les systèmes embarqués. Et puis je suis revenu chez L6 il y a 4 ans maintenant. Et ici, j'ai retrouvé, ma foi, du plaisir à faire du développement dans une ambiance sympathique et j'ai été très satisfait de mon retour ici. Je suis rentré chez L6, il devait y avoir une trentaine de personnes en 2001. Aujourd'hui, il y en a quand même presque 800. C'est une société en 20 ans que j'ai quand même vu grandir, qui a gardé son petit côté familial et très start-up malgré tout. Ça continue à croître, mais en gardant son ambiance agréable et pas du tout une ambiance de grosse entreprise. Je souhaite un joyeux anniversaire à L6 Design et Advance Group. J'espère que dans 20 ans, Advance et L6 seront encore là et j'y participerai.